des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan réunis au sein du comité AAS, Amis Unis pour l'Africa Sport, se sont rendus, dans la matinée du mardi 21 décembre 2021, au chevet de Guédéjibi et Ignace pour lui apporter leur réconfort suite à son évacuation de Bongouanou à Abidjan. C'est une forte délégation des « Amis Unis pour l'Africa Sport » AAS, qui s'est rendue, dans la matinée du mardi 21 décembre 2021, à Yopougon, dans l'hôtel où Guédéjibi et Ignace et sa femme ont été logés, avant l'évacuation du malade au CHU de Cocody, le même jour. Cette délégation était composée du secrétaire général du comité AAS, Dion Alexis, du vice-président de GDA Julien, du conseiller de GDG Zogeba Toussaint et du trésorier Ali Camara. Pour la circonstance, les Amis Unis pour l'Africa Sport étaient accompagnés par Amani Paul, dirigeant du club Vert et Rouge. On a trouvé Guédéjibi et Ignace en train de se tordre de douleur sur son lit d'hôtel, quand nous sommes arrivés, Et c'est là que sa femme nous a dit comment ils ont quitté Bongouanou pour arriver à Abidjan. En tout cas, ça a été de l'arnaque. Quelqu'un l'a appelé pour dire qu'un ministre demande à ce qu'on évacue immédiatement Guédéjibi et sur Abidjan. Il leur a dit de mobiliser une ambulance et que tous les frais seront payés à leur arrivée ici à Abidjan, raconte le secrétaire général de l'AAS Larnac. Alexis Dion rapporte qu'une fois à Abidjan, Guédéjibi et sa femme ont été confrontés à un problème d'hébergement. Une fois dans la capitale économique ivoirienne, la personne qui les appelait leur a demandé de trouver quelqu'un chez qui ils pouvaient rester, en attendant. C'est ainsi qu'ils sont entrés en contact avec Amani Paul, dirigeant de l'Africa Sport d'Abidjan. Ce dernier a demandé à Lego Patrice de leur trouver une chambre dans un hôtel à Yopougon, a dit le SG du comité AAS. Le rendez-vous de l'émotion à en croire le secrétaire général du comité AAS, l'émotion était au rendez-vous, surtout quand Guédéjibi a su qu'il s'agissait d'une délégation des supporters de l'Africa Sport. Quand Guédéjibi nous vu, il a commencé à pleurer. L'émotion était telle que nous avons aussi coulé des larmes. Sincèrement, il faisait pitié. Sa femme dit qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. Il ne fait que crier et cela dérange tout l'environnement de l'hôtel. Il était dans un état pas intéressant. Cela faisait pitié, poursuit-il. Lire sur le même sujet Africa Sport d'Abidjan, le collectif des comités et structures des supporters annonce une argent de révision des textes au cours de cette visite, le comité AAS a fait un geste à l'endroit du malade, comme lors de la visite de réconfort de Kuyoté à Narcisse à Guédéjibi. On a fait un geste à son endroit en lui remettant une enveloppe. Sa femme nous a remercié et dit que nous sommes le seul groupe de supporters qui a fait le premier geste en plus du président Kuyoté à Narcisse et M. Amani Paul, souligne Dion qui a remercié tous les donateurs.